1945, en tout cas le bâti, le bâtiment, comme la maison de la danse qui est juste derrière. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé devant. Il y a une petite... c'est attenant, on est mitoyen. Vous avez la place des vents derrière et donc ça donne sur la maison de la danse. Voilà. Donc, années 30, on est dans la période où on construit des maisons du peuple. Donc, c'est ces grandes maisons qui devaient accueillir les associations, les activités culturelles, mais aussi certaines activités sportives. C'est pour ça que vous verrez que la deuxième salle qu'on va voir, il y a une deuxième salle plus petite, plus réduite, qui s'appelle le studio, qui est ici, qui est un ancien gymnase, en fait, qui a été réaménagé pour accueillir du spectacle, mais bien plus tardivement. Alors, cette salle, donc, ce bâtiment a été construit à l'ancien emplacement de la Bourse du Travail, voilà, qui ensuite a migré, qui n'était plus partie d'ici. Et donc la salle n'a pas ouvert directement, puisque la guerre, la Seconde Guerre mondiale arrive. Et donc le théâtre ouvrira officiellement avec la troupe de la Comédie française en 1953. Donc une grande période de, non pas de vide, puisqu'il va se passer des choses, déjà il va falloir réaliser ces fresques. Ça, ce sont, on peut dire, les vestiges de l'époque. De 1935. Voilà, parce que un peu plus tardivement, le Jean Burkhalter, qui est le peintre qui a réalisé les fresques, a commencé donc aux alentours de 1938 à réaliser ces fresques et va les continuer jusque 1941 pour certaines. Oui, on sont des personnes qui ont existé. Ouais. Donc oui, je vous disais que le bâtiment date des années 30. Et on achète leur spectacle. Ensuite, vous avez tout le pôle relations publiques communication, dont je fais partie. Donc, je suis chargé de relations publiques au Théâtre d'Auxerre. Et donc, une chargée de communication qui, elle, est plus axée sur la. Oh, non, non, c'est pour ça que je me contente de regarder. Vous avez ce qu'on appelle la passerelle de lumière qui est au-dessus et qui permet d'installer tous les projecteurs qui éclairent à la face. Voilà. Et ensuite, il y en a aussi, il y a des perches hein, pour les côtés. Et ensuite, vous avez tout le système qui se trouve ici dans ce qu'on appelle la cage de scène, qui permet donc l'implantation des projecteurs. Et donc, vous avez tout le système de perches qui traverse la scène. C'est elles qui sont actionnées au niveau du premier étage, soit de manière manuelle. On voit. Au premier étage, là où on peut les manœuvrer. Et vous avez aussi un moment de l'illusion, on essaie de cacher toutes les implantations de lumière. Et là, on a des petites, ce qu'on appelle des frises, des petits rideaux qui ne sont pas très. À la demande, c'est tout simplement aussi une boîte, c'est fermé. À l'italienne, c'est simplement alterné comme ça, qui permet de créer des coulisses, des couloirs pour rentrer. Et puis, dans les travaux que vous avez évoqués tout à l'heure, il y avait de la fente qui était faite, parce qu'avant, il n'y avait pas cette fente. Oui, il n'y avait pas aussi de. On entrait de plein pied avec le. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la ville, le chemin de la main, c'est un peu ultra. Là, c'est tout simplement des parties du plancher qui s'enlèvent. Et ensuite, un régisseur. Non, il n'y a pas de plancher. Oui, c'est du physique quand même. On verra, je veux dire que dans les scènes modernes, on a une vraie vocation à s'installer dans l'horloge et ben voilà, qui l'habite au moins pendant 2-3 jours. Parce que ce que je vous disais, c'est que les compagnies ici, on a très peu de séries, on a très peu de spectacles qui se joueraient pendant 2 semaines, 3 semaines. Et on sait que dans certaines salles parisiennes, il y a par exemple un spectacle qui peut jouer toute une année au théâtre. Donc on n'occupe pas pareil sa loge quand on reste toute une année, ça devient sa loge, qu'une loge voilà, qui est pour voilà, un temps assez réduit. Voilà. Voilà.
mais jamais ne dépasse. Délimitation, limite, or no limit. À valeur, dans l'heure. Allez, ravale, ravale, t'as la balle. Et révèle l'espace. Comme le Pyrex, pire, expire, inspire. Thank you.
Demain ça sera ton jour.